Nous sommes aujourd'hui dans le magasin Amélie situé dans le boulevard de Strasbourg. Magasin qui vend essentiellement des vêtements pour femmes, mais également des vêtements pour enfants, filles ou garçons. Nous allons nous adresser donc à une personne du magasin pour savoir depuis quand exactement le magasin est-il ouvert et comment l'affaire a débuté. Allez-y. Bah voilà, nous on est installé, enfin on a ouvert le 13 mois de décembre et on a démarré le jour de marché en fait. Non, ça démarre assez bien, oui. Et c'est vrai que pendant la période des fêtes, tout ça, ça démarre pas mal. Tous les commerçants sont super contents, les clients, tout ça en fait, ils trouvent notre boutique, enfin vu qu'on vient d'installer, c'est tout neuf. Donc vous avez réussi à récupérer une certaine clientèle onésienne, notamment alors, on va dire pour l'instant, les trois quarts, c'est que des clients de quartier de Aulnay, alentour des personnes qui habitent dans ce coin, et les bureaux, les gens qui travaillent alentour. Et en termes de fréquentation, donc depuis le 13 décembre, date de l'ouverture, est-ce que vous avez vu une évolution significative? Est-ce que vous avez eu une certaine augmentation? Est-ce que vous dites, on commence à s'implanter et on est là pour rester? Alors en fait, au démarrage, ça démarre très bien. Peut-être parce que c'est les Noëls qui approchent, tout ça. Mais pour l'instant, ça maintient. On va dire, c'est par rapport à notre objectif, en fait, ça dépasse, en fait. C'est-à-dire que là, pour l'instant, dans l'ensemble, on trouve une évolution de tous les jours. C'est-à-dire que les gens, les clients qui viennent une fois, ils reviennent une deuxième fois, troisième fois, en fait. Et tous les produits qu'on a choisis, en fait, les vêtements, la plupart des personnes, ici, en fait, on touche une tranche de, on va dire, à l'étage pour les enfants, mais en bas, c'est que pour les femmes, on touche dans les 18 ans, 45 ans, par là à peu près. Mais les clients, ils sont assez contents de notre produit, des vêtements, des modèles. Et dans l'ensemble, c'est correct, on va dire. Et en termes de type de vêtements, est-ce que vous vendez beaucoup plus de vêtements pour femmes ou est-ce que vous vendez plus de vêtements pour enfants actuellement? Actuellement, en fait, on vend beaucoup plus les vêtements pour les femmes. On va dire, si on a du débit pour les enfants, mais par rapport à la quantité de débit, en fait, c'est plus important dans les côtés féminins. Et en termes de type de vêtements, est-ce que c'est du vêtement haut de gamme, vêtement moyen de gamme, ou est-ce qu'on y va de toutes sortes, marques ou non, sans marque? Alors ici, en fait, c'est une gamme moyenne. Bon, en fait, c'est pas des bas de gamme, mais c'est des gammes moyennes. C'est pas vraiment des vêtements de marque. D'accord. C'est des vêtements simples, en fait, qu'on trouve chez les grossistes à Paris, tout ça. Mais c'est pas des marques connues, mais c'est des vêtements dans les qualités moyennes, on va dire, dans les tranches de prix accessibles à toutes les personnes. D'accord. Donc, je me permets juste de faire un petit tour avec la caméra sur les rayons. Oui, bien sûr. Allez-y. Voilà, on est donc au rez-de-chaussée, essentiellement donc vêtements et équipements féminins. Donc à l'étage, il y a les vêtements pour enfants. Donc au niveau de l'adresse exacte du magasin, c'est le numéro. Alors c'est 17 route des boutiques. Non, 17 boulevard de Strasbourg. Boulevard Strasbourg. D'accord. Donc en tout cas, merci de nous avoir accordé cette interview. Merci. Et surtout bon courage et bonne fête de fin d'année. Merci beaucoup, hein, bonne fête aussi.